Donc le CIRMF, Centre international de recherche médicale de Franceville, focalise exclusivement ses activités sur les maladies infectieuses tropicales qui représentent un danger pour la santé publique, pour le Gabon et pour l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. On peut dire que le CIRMF est subdivisé en trois départements différents. Donc un département de primatologie, un département de recherche fondamentale, qu'on appelle les maladies émergentes et les zoonoses, et un département de recherche plus clinique. Le CIRMF contient également un laboratoire de haute sécurité de type P4, qui permet justement la manipulation des virus les plus dangereux à l'heure actuelle. Et c'est quasiment le seul laboratoire de haute sécurité en Afrique francophone et en Afrique subsaharienne. Il y a un autre grand laboratoire de haute sécurité qui se situe à Johannesburg. C'est grâce à ça, en fait, grâce à ce laboratoire, qu'on a pu travailler sur toutes les épidémies d'Ebola depuis 1996.